Les 25 dernières années, quand on en parle, on se réfère pratiquement à l'année 92, où on avait organisé une conférence régionale de développement à Buenos Aires, en 1992. Et c'était effectivement à cette occasion que j'avais lancé le concept de la société de l'information. Et à partir de ce moment-là, l'UT, le BDT en particulier, s'est concentré sur le contenu qui est l'information, l'échange de l'information, le transport de l'information, la distribution de l'information. On a réalisé qu'effectivement, c'est une nouvelle forme de civilisation qui est la civilisation de l'information. Je crois que c'est l'objet effectivement de cette réunion, cette conférence, j'espère, au cours de laquelle on va faire le point de ce qui a été réalisé au cours des 25 dernières années et de ce qui a été raté au cours des 25 dernières années et les correctifs qu'il faut mettre en place et les nouveaux projets qu'il faut lancer et peut-être. L'idée que j'ai en tête, ce qu'on appelle la globalisation du développement. Jusque-là, on a travaillé un peu pays par pays, région par région, mais il n'y a pas eu tellement de projets globaux. Il faut globaliser le développement, globaliser au niveau géographique, bien sûr, mais surtout pour que les États, le secteur privé, les banques, les organisations commerciales, etc., tout le monde travaille pour réaliser ensemble l'économie de demain. Je crois que ça a été une très bonne idée de penser à fêter l'anniversaire du secteur du développement. C'est une bonne idée parce que c'est l'occasion de faire la fête, bien sûr, de dire qu'on a fait beaucoup de bonnes choses, mais de revoir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, ce qui a été réalisé et ce qui a eu des difficultés à être réalisé, et voir comment on peut vaincre les difficultés qu'on a rencontrées.